Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce cours numéro 3, donc la suite sur les vecteurs 2. Il y a de fortes chances qu'à nouveau il y ait un retard entre ce que vous voyez et ce que vous entendez, un retard qui se joue encore de quelques petites secondes, genre une ou deux, voire pour la plupart des moments peut-être trois, mais je pense que très souvent ça tourne autour de 2 secondes. J'espère que ça ne sera pas trop gênant et j'espère que ça ne l'a pas été. La fois précédente, je trouve en tout cas qu'on arrivait facilement, vu que je prenais mon temps, on arrivait facilement à faire le lien entre ce que je disais et ce qui était affiché. Donc ça allait. J'ai pas beaucoup d'informations, sauf que, bah, comme vous le verrez, ce cours, donc cette vidéo, va être coupée en 2 parties, tout simplement pour que ça amoindrisse le poids des vidéos à uploader sur Panopto. Je pense que le problème reviendrait au même si je devais le uploader sur YouTube, étant donné mon réseau internet qui est moyen. Donc du coup, bon bah, il faut essayer de s'adapter. Et pour m'adapter, on va rester sur ce genre de cadre. Si ça ne plaît pas, n'hésitez pas à le dire aussi que bon, bah, vous préférez quand même avoir quelque chose qui se cale un peu plus niveau son et image. Je suis aussi désolé pour le mail concernant le rappel. Normalement, hein, c'était censé être un rappel de la séance de samedi. Il est arrivé un petit peu en retard parce que j'ai oublié de valider un mail de sécurité qui permettait d'éviter des spams. Donc du coup, bah, j'ai oublié de cliquer sur ce lien. Et du coup, là, en cliquant sur le lien, vous avez obtenu le mail, mais bien plus tard que prévu. Mais voilà, bon, c'était pour vous rappeler qu'il y avait une séance samedi. Ça s'est plutôt bien passé. Et ceux qui ont encore peut-être des questions sur ces notions, comment on vérifie qu'une famille de vecteurs est libre ou des choses comme ça, notamment dans l'espace, bah, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Je pense qu'elle est très bien. Et elle est faite aussi comme ça, devant un tableau, en direct. Donc bon, et c'était assez lisible a priori d'après les étudiants qui étaient présents. Donc bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Et dernier point, vidéo tutoriel de GeoGebra qui devrait sortir demain. Je pense que je le ferai très tôt enfin, je le ferai tôt le matin en France, donc du coup très tôt dans la nuit en fait, dans votre nuit de lundi à mardi, je pense que ça devrait apparaître, donc peut-être apparaître avant cette vidéo, pour vous faire un petit point aussi sur différentes constructions qu'on peut faire dans le plan et dans l'espace, notamment ces notions qu'on n'a pas abordées dans le cours précédent. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire pour introduire la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, les deux vidéos, enfin, on va avoir 2 vidéos. Une première qui va durer environ 1h10, 1h15, et la deuxième qui va durer plus ou moins tout autant, peut-être un peu moins. On verra bien, suivant comment on avance et quelles sont les choses que j'aurai abordées. Bon. Alors, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que je vous fasse un rappel. Là, pour le coup, je vais peut-être juste rappeler 2, 3 petits points rapides. Mais en soi, les rappels vont se faire au fur et à mesure du cours. Donc, bon, je pense que je peux juste rappeler 2, 3 trucs sur les triangles. Mais je le rappelle essentiellement. Il y a certaines choses que je vais rappeler à l'oral, d'autres que je vais écrire. Donc, bon. Donc, sur les triangles, on va commencer par un petit rappel. Quelques rappels sur les cours précédents. Donc du coup, qui sera plus court que les rappels que j'avais effectués. Allez, en focus. Évidemment, il y a des soucis de focus encore et toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc du coup, bon, ça va se remettre automatiquement, je ne m'en fais pas. Donc, comme j'ai dit, rappel du cours qui va se faire assez rapidement. Bon, ça commence peut-être à. Qui va se faire assez rapidement. Donc d'abord sur les vecteurs, puis ensuite sur les droites. Donc les vecteurs, je vous rappelle, un vecteur, c'est une translation. Donc, juste une image. D'accord? Donc un vecteur, c'est une translation. Un vecteur AB représente une translation, donc un déplacement rectiligne. De A, du point A vers le point B. Ok, donc on est parti de ça. Notre base c'était ça. J'espère que ça me focus un peu là. Ah, ça y est. Ok.
Donc là, normalement, vous devriez pouvoir lire. Donc du coup, un vecteur ABC, une translation rectiligne de A vers B. Bon, ça, on est parti de ça. On a vu qu'on pouvait faire des opérations. Bon. On peut faire des opérations sur ces vecteurs. Donc les opérations sont notamment additionner deux vecteurs, U plus V. Et nous l'avons déjà vu qu'il s'agit de concaténer deux vecteurs. Donc je vais le faire vite fait. Faire vite fait un schéma correspondant à une somme. Donc j'ai mon vecteur que je représente fortement U. Je ne sais pas si mon U est bien visible, mais bon. Et puis j'ai mon vecteur. V. Et donc du coup, U plus V, c'est le vecteur que je vais représenter en bleu. Je pense que là, les couleurs, ça doit se voir, mais je ne dis pas que les noms se voient vraiment. D'accord ? Donc mon vecteur en bleu représente le vecteur U plus V. Je vérifie que ça soit... Ouais, en effet, c'est pas trop lisible les trucs en couleur, mais le bleu, ça va, ça se lit. Ok, donc je viens de faire U plus V, voilà, donc c'est comme ça qu'on a vu comment on pouvait faire une somme de vecteurs. On a vu que ça avait plutôt de bonnes propriétés de faire des sommes. On peut faire l'opposé d'un vecteur. Donc l'opposé d'un vecteur, donc là, si mon vecteur c'est celui qui était en rouge, bon, bah, l'opposé du vecteur, ce sera celui que je vais dessiner en bleu. Même direction. Même longueur, mais le sens différent. Ok, donc ça c'est moins U. Donc on peut faire l'opposé d'un vecteur, on peut aussi multiplier un vecteur. K fois U. Ok, donc il s'agit de multiplier la longueur. Il s'agit également donc multiplier la longueur, changer le sens si le K est négatif. Si le K est positif, on garde le même sens et la direction donc reste la même. Donc on a vu ces petites propriétés là, on a vu du coup ce qui s'en suivait de cette opération, on a vu la collinéarité, la notion de collinéarité. Hop. Donc notion de collinéarité, ça veut dire que deux vecteurs, on disait que deux vecteurs sont collinéaires, U et V, collinéaires. Donc si et seulement si, la première définition c'est il existe un réel K, donc K appartenant au réel, tel que U égale K fois V ou V égale à K fois U. Ok, donc c'était l'une ou l'autre, parce que bon, il y avait aussi cette question de vecteur nul, mais bref. Donc ça c'était une première, ça c'était la définition. Et une propriété qui en découlait, c'est que c'était équivalent à dire que U et V ont la même direction. Ok, donc avoir la même direction, ça veut dire qu'ils ont la même droite. Ils correspondent, en fait, les deux vecteurs correspondent à la même droite, à deux droites qui sont parallèles. C'est ça que ça signifie. Ok ? Donc on avait vu ça, on avait vu aussi d'autres propriétés qui en découlaient, mais que je ne vais pas rappeler, sur les points. Donc si on prend ABC ou ABCD, des points qui vérifient certaines égalités sur les vecteurs, des vecteurs collinéaires, des choses comme ça, on avait des choses. Donc, voilà. Tout ça nous donnait une structure bien sympathique qu'on appelait structure d'espace vectoriel. D'accord ? Puisque les opérations se comportaient bien les uns avec les autres, comme on le fera avec des réels, distribués, factorisés, des choses comme ça. Donc ça se passait plutôt bien. Et après, on a défini la notion de libre, de lier et de base, d'accord ? Donc libre, je rappelle qu'une famille U1 jusqu'à UM est dite libre si et seulement si on vérifie la propriété suivante est vérifiée.
Et j'insiste que ce soit vraiment l'implication, donc c'est-à-dire si alpha 1 U1 plus jusqu'à alpha M UM égale le vecteur nul, alors alpha 1 égale alpha 2 égale alpha M égale 0. D'accord ? J'insiste vraiment que c'est tout ça qu'il faut vérifier et pas juste l'égalité. Hein. D'accord ? Donc si on a une combinaison qui vaut 0, une combinaison entre les vecteurs, donc les alphas sont des réels, hein, une combinaison des vecteurs qui vaut 0, alors ça signifie que tous les alphas valent 0. D'accord ? Donc ça veut dire libre et lié. Donc lié, ça signifie U1, UM, lié. Ça signifie qu'elle n'est pas libre, déjà. Donc c'est le contraire d'une famille libre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe des réels alpha 1, alpha m, non tous nuls, tels que, donc c'est une autre façon de formuler le fait que ce ne soit pas libre, tel que alpha 1, u1, plus tatata, plus alpha m, alpha m, um, égale le vecteur nul. Ok? Donc, là, je l'ai reformulé vraiment comme il fallait, dans le sens où c'est exactement ce qu'on faisait à chaque fois quand on montrait qu'une famille n'était pas libre. À chaque fois qu'on montrait qu'une famille n'était pas libre, on avait à chaque fois une relation qui donnait 0. Une relation entre les vecteurs qui donnait 0. Donc par exemple dans le cours, il y avait U plus V moins W égale 0. Donc ça veut dire que les alphas étaient non nuls. Non tous nuls. D'accord ? Donc il peut y en avoir qui valent 0 dans l'affaire, c'est pour ça que je dis pas qu'ils sont tous non nuls. Mais j'insiste, c'est non tous nuls, c'est dans le sens où il ne faut pas que tous les alphas valent 0. Parce que si tous les alphas valent 0, on n'a pas le choix, on est revenu à la définition de libre. Hein. D'accord ? Bon. Je reparle pas trop de ça, c'était le cours 1. Et puis on a vu aussi la notion de base. D'accord ? Donc rappelons ce que c'est quand même une base. Donc U1 jusqu'à UM est une base. Si et seulement si il existe un unique ensemble de réels alpha 1, alpha m, j'ai oublié de préciser que c'est pour tout vecteur 1. Désolé. Donc je voulais dire pour tout vecteur. Pour tout sans S c'est mieux vecteur V, vecteur V dans l'espace où on travaille, hein. Vecteur V dans l'espace où on travaille, ça je pense qu'il vaut mieux que je le précise entre parenthèses, où nous travaillons. Donc pour tout volume 1, il existe un unique ensemble de réels d'A. Il est arrivé, hein. C'est un unique ensemble de réels, alpha 1 jusqu'à alpha m, tel que V est égal à alpha 1 U1 plus alpha m UM. Et à partir d'une base, on peut définir ce qu'on appelle un repère. Donc un repère R, c'est un ensemble qui contient un point dans notre espace qu'on appelle généralement O, qui correspond à l'origine, et d'une base U1 jusqu'à UM. Ceci, c'est une base. D'accord ? Donc un repère, c'est ça. Okay. Origine plus base.
Alors, une famille libre, en général, pourra être une base d'un certain espace dans lequel on travaille. Quand on travaille dans le plan, il suffit de deux vecteurs, et on a vu avec I et J qui forment une base qu'on appellera orthonormée directe. Ortho, parce que les deux vecteurs sont entre guillemets perpendiculaires, mais on dira orthogonal. Normé, parce que leur norme, leur longueur valent 1. Et direct, c'est une question d'orientation. Orientation dont on a commencé à parler au cours 2. Okay. Donc globalement c'est ça, et après à partir d'un repère on a dit qu'on pouvait donner des coordonnées au point. D'accord ? Donc là, à chaque point, et à chaque vecteur, on peut donner des coordonnées dans ce repère. Ok ? Donc à savoir que ces coordonnées dépendent du repère. C'est important. Bon. Donc voilà, déjà pour ce qui est autour du cours 1. Ah, j'aurais pas dû effacer rappel, mais c'est pas grave. Puisqu'on va continuer les rappels. Donc rappel la suite. Ah non, on est plus sur le cours 2. Donc sur le cours 2, de quoi on a parlé? On a parlé de triangle. Et on a parlé d'inégalité triangulaire. Je rappelle. Je rappelle que l'inégalité triangulaire, c'est par exemple dire que BC, c'est plus petit ou égal à AB plus AC. Ok? Attention à ne pas confondre avec Charles, qui nous disait que en termes de vecteurs, BC c'est égal à BA plus AC. D'accord ? Donc en termes de chemin, BA plus AC c'est la même chose que BC. D'accord ? Mais en termes de distance, BC est plus court que BA plus AC. Ok ? Donc bon, faire très attention à ne pas confondre ces deux notions. C'est pour ça que j'en parle là, c'est pour éviter de les confondre. Ok ? Bon, là on parle de vecteur, ici on parle de distance. Bon. Donc inégalité triangulaire, ça c'est un premier point. Je vous en donne un exemple, évidemment. Il y a les deux autres aussi à vérifier. Mais, ok ? On a vu la somme des angles. Donc si je note alpha, bêta, gamma. Ok, donc si je note les angles ici, on avait la propriété suivante que alpha plus bêta plus gamma vaut 180 degrés. La somme des angles dans un triangle vaut toujours 180 degrés. Voilà, ça c'est une autre propriété importante. On a aussi vu quelques triangles particuliers comme triangle isocèle, triangle équilatéral. Ok, bon ça je pense que je n'ai pas forcément besoin d'en parler. On a parlé aussi de triangle rectangle. Et puis dit 2-3 choses là-dessus, notamment sur les angles. Et puis bah, ensuite on a reparlé de Pythagore. Donc je vais rappeler Pythagore. Hop. Donc, j'ai mon triangle, on va dire qu'il est rectangle en A. Donc dans ce cadre-là, donc Pythagore nous dit, théorème de Pythagore, ou du pythagoricien, suivant les écoles, on va dire. Donc ceci est un triangle rectangle si et seulement si, puisqu'on peut aller dans les deux sens, BC carré égale AB carré plus AC carré. Ok, donc on avait fait quelques exemples pour vous montrer à quoi ça servait ce théorème, à soit déterminer la dernière longueur, soit vérifier qu'un triangle est rectangle, etc. Et je vous avais dit que ça va avoir un point 1. Ça va avoir un impact assez important sur la définition de produits scalaires. Donc, et je vous avais un petit peu spoilé sur ce qui allait suivre. Bon. Et ensuite, on est rentré dans la partie trigonométrie de la chose. Donc la partie trigonométrie, c'est qu'il fallait travailler avec un triangle rectangle. Je vais laisser rectangle en A. Hop.
Puis, on avait défini des fonctions trigonométriques. Je vais l'appeler gamma. Parce que c'est l'angle en C. Okay. Donc, on avait défini les fonctions trigonométriques. Et je vous rappelle le moyen mnémotechnique pour se souvenir des formules. Donc, casse-toi. Je pense que c'est celui qui restera le plus facilement en tête. Donc, casse-toi. Casse-toi. OK. Et donc, ça veut dire que cosinus de gamma, c'est égal à l'adjacent, donc c'est AC, sur l'hypoténuse, BC. OK. Il y a sinus gamma qui est égal à l'opposé AB sur l'hypoténuse, BC. Et nous avions tangente de gamma qui vaut lui opposé sur adjacent, donc AB sur AC. Nous avions nos trois fonctions trigonométriques et nous avons parlé aussi du fait qu'il existait des fonctions réciproques à ces fonctions trigonométriques qu'on appelait arcos, arcsine et arctangente, dont on ne parlera pas beaucoup plus que ça, juste en les appliquant à la calculette, d'accord, en utilisant cos moins 1, sine moins 1, tangente moins 1, d'accord, à certaines conditions, d'accord. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis nous en sommes arrivés au cercle trigonométrique, donc ça aussi je le rentre dans le rappel. Pour généraliser ces fonctions trigonométriques, puisque là pour l'instant, la contrainte c'est que gamma. La contrainte c'est que gamma c'est un angle qui va être compris entre 0 et 90 degrés. Or nous ce qui nous intéresserait c'est d'essayer de voir aussi la notion de cosinus, sinus, etc. dans des angles plus différents que ça, autres que juste 0, entre 0 et 90 degrés. On aimerait bien pouvoir faire, par exemple, un cosinus d'un angle 100 degrés. Ce qui n'est pas forcément possible avec ce modèle. D'où l'introduction du cercle trigonométrique. Hop. Et donc pour le cercle trigonométrique, on considère un cercle donc dans le repère O et J, on connaît bien. Voilà, d'accord. Donc on a notre cercle trigonométrique de rayon 1 et de centre 0. Donc le centre, c'est l'origine. OK. Et puis, à partir du moment où vous me donnez un angle, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un angle. Hop, donc là, par exemple, j'ai un angle qui m'a été donné, θ, que je vais lire dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Lecture des angles dans le sens anti-horaire, ok, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je vais, donc du coup ce que je vais, c'est que si vous me donnez un angle, je place le point correspondant pour avoir l'angle, donc le point sur le cercle c'est celui-là, et puis bah, je vais regarder les coordonnées de ce point, et si je regarde les coordonnées de ce point, c'est ça que je vais définir comme étant mon cosinus et mon sinus, donc ce que je vais lire ici, ce sera le cosinus de θ. Et ce que je vais lire ici, ce sera le sinus de θ. OK. Donc en particulier, un point M qui appartient au cercle trigo a pour coordonnées cos θ, sin θ, pour un angle θ donné par cette chose-là. OK. Donc j'avais insisté sur le fait que l'orientation est importante. OK. Vraiment sens anti-horaire quand vous me donnez un angle. Il est possible de travailler avec des angles plus grands que 360 degrés. Mais si c'est plus grand que 360 degrés, dans ce cas-là, on fait un tour. Et puis on revient à un angle qui est plus petit que 360 degrés. S'il y a besoin de faire plusieurs tours, on en fait plusieurs.
Et puis aussi, on peut aussi travailler avec des angles négatifs. Les angles négatifs, c'est en fait regarder le sens horaire. Donc aller dans l'autre sens, ok? Voilà. On pourrait travailler avec ce genre de choses. En général, on travaillera avec des angles qui sont compris entre 0 et 360 degrés. Donc je n'ai pas forcément besoin d'ajouter beaucoup de propriétés. Mais quand même. Donc voilà pour ce qu'il en est des rappels. Ouais, j'ai mis 25 minutes, c'est bien. Donc, on continue avec notre affaire de sac trigonométrique. Hop. Donc, première partie. Donc, on était sur, je sais plus, j'avais dit rappel de géométrie, je pense. Même s'il y a un petit peu plus que des rappels de géométrie plane, suite. Et nous en étions à la sous-partie trigonométrie. Bon. Alors j'aimerais juste encore ajouter deux, trois petites choses sur ces histoires de cosinus sinus dans ce cercle trigonométrique. Donc, il y a une première propriété assez rigolote dont j'aimerais parler. C'est lié à Pythagore. Donc, pour cela, il faudrait peut-être que je refasse un dessin. Je vais peut-être le faire. Ouais, je vais peut-être le refaire. Mais en plus gros. Voilà. Donc, ça, ce que je viens de représenter, c'est mes vecteurs. D'ailleurs, je me suis encore planté. Le i et le j, je les ai échangés. Bon. Pour les personnes assidues, ils ont encore remarqué peut-être que j'ai changé la place de i et j comme c'était le cas au cours 1. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc là, bon, okay. Le i, ça représente vraiment le déplacement horizontal et le j, le déplacement vertical. D'accord? Donc j'ai mes deux vecteurs comme ça. Je vais tracer mon arc de cercle. Je vais pas tracer le cercle trigo en entier. Et puis je vais placer un point par rapport à un angle qu'on m'aurait donné. Voilà, disons, j'ai mon point M ici. Et j'ai un angle θ. Donc du coup, ça veut dire que par rapport à ce triangle, j'ai cosinus, enfin ici, je peux lire sinus θ. Et ici, je lirai cos θ. Okay. Bon, je vais mettre des noms à tous mes points. J'ai l'origine O. Et puis ici, j'ai un point qu'on va appeler point H, que je vais mettre en vert peut-être, parce que c'est peut-être un peu plus lisible vert. Bon, si vous remarquez bien, mon triangle OMH est un triangle rectangle. Et du coup, bah, qui dit triangle rectangle dit théorème de Pythagore. Donc du coup, j'ai un triangle rectangle, j'ai donc OM carré qui est égal à OH carré plus HM carré. Ok? Et donc du coup, si je regarde cette égalité et que je remplace par tout ce que je sais, bah, OM, je sais que la longueur, c'est le rayon. Donc le rayon, c'est 1. Donc 1 au carré, ça fait 1. OH, c'est cosinus de θ. Donc je vais y voir cosinus de θ au carré. Et puis HM, c'est le côté opposé, c'est le sinus, d'accord? Donc j'ai plus sinus θ au carré. Et donc on a déjà une assez bonne propriété, donc c'est ça la propriété, pour tout angle, parce que là je vous ai fait un exemple pour tout θ appartenant, bon, je vais me permettre, comme je vous l'ai dit déjà à l'oral, je vais me permettre de considérer que mes angles, je peux les choisir à n'importe quelle valeur. Donc bon, je vais dire réel. Donc pour tout angle, eh bien j'aurai cos carré plus sin carré qui est égal à 1. Ok? Toujours, 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 toujours. Ok? C'est pas juste un cas particulier que je vous ai dessiné, c'est toujours vrai. Donc ceci peut nous donner des idées de comment on peut déterminer le sinus par rapport au cosinus ou des choses comme ça, plutôt pratiques. Donc voilà. Ok. Donc ça c'est une première propriété dont je voulais vous parler. Une autre propriété, comme on travaillera essentiellement des angles dans 0, dans 0 pi sur
enfin pardon, c'est pas ça que je veux dire, dans 0,360 degrés. Puis sûr, c'est autre chose, c'est des angles en radian, mais j'aimerais éviter d'en parler. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'aller dans ce genre de terrain pour ce cours. Mais bon, on pourrait aller dans ce terrain. Ce que je veux dire, c'est aussi qu'il y a une propriété, enfin, juste sur les signes. Donc, je vais peut-être faire ça en dessinant un cercle. Donc ça, c'est une propriété ici, hein, ce que j'ai écrit là. Ça, c'est une propriété. Ouais. Ok. Bon. Donc ça, c'est une première propriété. Une autre propriété, c'est par rapport aux signes de cosinus et sinus, suivant les angles que nous prenons. Donc j'efface, hein, je pense que vous pouvez faire pause sur la vidéo au besoin, si je vais un peu vite. Hop. Donc, une autre propriété, c'est par rapport au signe, dont j'aimerais quand même parler. C'est, voilà, donc je vous redessine encore une fois le cercle. Et puis, bah, je vais vous dire des choses suivant les régions. Donc, je vais numéroter 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, si je suis dans la région 1, c'est l'angle qui est compris entre 0 et 90. Bon, après, encore une fois, il y a une question de nombre de tours. Mais disons que mon angle est compris, disons que mon θ, je le prends entre 0 et 360 degrés, ok. Donc 360, encore une fois, je le répète, c'est le tour complet. Donc, la première région, mon θ est compris entre 0 et 90, et dans ce cas-là, cosinus est positif, et sinus de θ est positif. D'accord. On peut le remarquer, puisque si je fais les projections d'un angle donné ici, je vais avoir les vecteurs qui vont dans le même sens. Donc, pas de problème, c'est positif. Deuxième chose, la deuxième région, c'est l'angle compris entre 90 et 180. Dans cette région-là, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Ok, donc ça aussi, il suffit de projeter, on s'en rend compte. Troisième région, si le θ est compris entre 180 et 200, 180 et 270 degrés. Alors, dans cette région-là, on aura cosinus θ qui sera négatif, sinus θ qui sera également négatif. Et enfin, il me reste une quatrième région. Si θ est compris entre 270 et 360, alors cos θ sera positif et sinus θ sera négatif. Ok? Bon. Voilà quelques petites propriétés sur le signe de nos cosinus, sinus, etc. Ça peut être utile si on veut enlever le carré, par exemple, quand on a l'identité d'avant. Ok? Donc, bon, pas grand-chose de particulier à dire, juste, voilà, je pense que ça se lit bien par rapport au cercle. Ça dépend juste si... Quand on place le point, est-ce que nos vecteurs sont dans le même sens ou pas, hein, c'est voilà, c'est une question de lecture de coordonnées, si vous voulez. C'est vraiment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Pour l'instant, il n'y a que ça. Alors après, il y a d'autres propriétés sympatoches. Donc les autres propriétés sympatoches. Donc je ne fais que énumérer les propriétés qui peuvent se démontrer assez facilement, en fait, si on se rend bien compte du dessin. Si je regarde le cosinus de θ plus 360, donc c'est-à-dire que je suis à un angle et puis je fais 360, bon bah je suis au même angle. Donc du coup, ça revient la même chose que le cosinus de l'angle. Donc c'est en cela que je vous dis qu'en général on travaillera des angles sur 0,360 degrés, d'accord? Pareil pour le sinus. 360, c'est égal à sinus de θ. Une autre propriété, c'est que cosinus de θ plus 180. Alors cette fois-ci, vous êtes à un angle, et puis vous faites un demi-tour. Donc je suis là, je fais un demi-tour, je me retrouve là. Qu'est-ce qui va s'être passé? Ce qui va s'être passé, c'est que, en fait, on va avoir juste changé de signe.
Les cosinus et sinus seront là plus ou moins la même valeur, sauf qu'on aura un signe moins. Donc le cosinus de θ plus 180, ça va être moins cosinus de θ. Et pareil pour le sinus. Sinus de θ, c'est égal à moins. Sinus de θ, oups. Sinus de θ plus 180 égale moins sinus de θ. Ok, et bien d'autres propriétés que je ne vais pas énumérer ici. Puisqu'encore une fois, il y en a d'autres encore de petites propriétés, comme par exemple, qu'est-ce qui se passerait, et ça je pourrais vous le laisser en petit exercice pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que j'aurais si j'avais à regarder cosinus de θ plus un angle droit? Qu'est-ce qui se passerait? Et pareil pour le sinus, qu'est-ce qui se passerait si je fais plus un angle droit? Voilà, ça pourrait être une autre propriété à voir. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais disons tout simplement que ces propriétés vous permettent de justifier pourquoi, en effet, on travaille juste dans le cercle où on regardera les angles de 0 à 360. Donc juste, voilà, c'est simplement pour justifier ce truc-là. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerais dire une dernière chose sur ces angles. C'est donner des valeurs particulières. Puisque parmi tous les angles qu'on peut croiser, il y a des angles particuliers de cosinus et sinus qu'on peut calculer et qui ont des valeurs bien particulières. Et je pense que je vais vous solliciter à les connaître. Okay. Donc je vais faire un tableau où je vais mettre donc, les angles θ. Donc je mets les angles θ, je vais mettre cosinus θ, sinus θ et tangente. Alors j'ai oublié de dire une chose sur la tangente, et je vais les dire maintenant. En fait, tangente, ça se déduit du cosinus et du sinus. En fait, c'est sinus θ sur cos θ. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. Bah, si j'écris cos θ plus sin sur sin θ en partant de la trigonométrie dans un triangle, qu'est-ce que je devrais écrire? Bah, cosinus, je sais que c'est adjacent, donc que je vais abréger ADJ, divisé par hypoténuse, que j'abrège HIP. Et puis, pour le sinus, je sais que c'est opposé, que je vais abréger OP, sur hypoténuse. Vous avez déjà l'abréviation. Donc si j'utilise la trigonométrie qu'on connaît déjà dans le triangle, on a ce genre de formule qui sort. Sauf que si vous regardez bien, en fait, les hypoténuses que vous voyez apparaître au-dessus et en dessous de notre fraction vont se simplifier pour ne laisser place qu'à adjacent sur opposé. Mais... Ah oui, c'est parce que j'ai fait la fraction dans le mauvais sens. Je vous ai dit que c'est sinus sur cos, qu'est-ce que je fais? Je vous dis que c'est sinus sur cos et j'écris cos sur sin. Tout va bien. Ça arrive. Hein. Bref, donc du coup, sin sur cos, c'est plutôt... Je suis en train de me dire, ça va pas. C'est normal que ça va pas. Donc voilà, sur adjacent, et du coup, opposé sur adjacent. Et du coup, opposé sur l'adjacent, bah ça, c'est bien tangente de notre angle. Sauf qu'à toi, hein, qu'à sau toi, suivant ce que vous avez préféré. Bon, moi, j'ai juste ressorti qu'à sau toi. Mais voilà, donc du coup, tangente peut se déduire de sinus et cosinus. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, les angles qu'on va regarder en particulier sont 0. Il y en a d'autres hein, qu'on pourrait calculer, mais je vais vous donner les plus importants. 0, 30, 45, 60, 90, alors après 120, 135, 150,
et 180. Je vous donne juste cela et les autres peuvent se déduire à l'aide des formules que j'ai déjà dit. À vrai dire, même les... Même ceux que j'ai mis au-dessus de 90 degrés peuvent se déduire de ceux en dessous. Alors je vous balance juste le résultat pour l'instant. Et puis je vais vous en prouver une. Et je vous laisse à vous-même d'essayer d'en prouver une autre. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que je vais prouver 30 degrés. Et je vous laisse par exemple à essayer de faire 45, 60. D'accord ? Et les autres se déduisent. D'accord ? Donc pour le 0, cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Le 45 degrés, je vais faire 60, pardon, je vais pas faire 30, je vais faire 60. Donc ça fait racine de 2 sur 2, 60 c'est 1,5. Donc après on a 1. Qu'est-ce que... Non, 0. 0. Moins 1,5. Ensuite, moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 3 sur 2. Et 1. Et moins 1. Donc ça, c'est pour le cosinus. Pour le sinus, nous allons avoir 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 sur 2, 0. Et donc, tangente de θ. Donc 0 sur 1, ça va, ça fait 0. 1,5 sur racine de 3 sur 2, donc ça fait 1 sur racine de 3. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait racine de 3. Et ici, on a un problème. Tangente de 90 degrés, 1 sur 0, on ne peut pas diviser par 0. Hein, donc là, on a un problème. Le suivant, on va avoir... moins racine de 3, moins 1, et moins 1 sur racine de 3, pour terminer avec 0. Donc voilà le tableau de valeurs, avec les valeurs d'angle, je pense qu'il va falloir essayer de retenir, d'accord, et qui sera assez utile pour les calculs d'angle, qui vont suivre tout au long des cours qui vont se succéder, ça pourrait être utile. De connaître juste ces angles pour avoir aussi une idée de comment les angles croient, décroissent, croissent et décroissent. Donc c'est plutôt voilà. Donc comme je vous ai dit et comme je vous ai promis, dans ce tableau, ce que je vais chercher à vous prouver, c'est que en effet, cosinus de 60, c'est 1,5, et sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. Et puis évidemment, la tangente va se déduire à partir de ces deux valeurs. Ok ? J'efface le tableau. Hein, encore une fois, vous pouvez faire pause, vous laissez le temps d'écrire. Je profite du fait que le cours est enregistré. Encore une fois, j'espère que le décalage n'est pas forcément trop gênant entre ma voix et l'image. Bon, enfin. Donc, je vais juste vous prouver pour 60 degrés. Alors, pour prouver pour 60 degrés, je vais dessiner la configuration. Voilà. Et puis, je vais mettre en bleu le point qu'on veut regarder. Voilà. Et ici, on a 60 degrés. Donc, je vais appeler quelques points. Je vais appeler... pas A. Je vais laisser O. Voilà. Je vais laisser O ici. Et ici, je vais l'appeler A. Et lui, je vais l'appeler H. Ok. Bon. Alors, si je me posais un petit peu sur le triangle OMA. Bon, je vais bien le repasser pour dire, voilà, vous voyez bien que c'est rouge. Si je me pose quelques instants sur ce triangle OMA, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, on peut en dire que c'est un triangle isocèle. D'accord ? Donc, OMA est isocèle en haut.
Donc on a un triangle isocèle en O parce que OM c'est égal à 1 qui est égal à OA. Alors 1 cm, encore une fois l'unité de distance, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets 1 pour dire que c'est l'unité, juste une unité de longueur. Pas besoin d'en dire davantage. Donc on sait que OM et OA ont la même longueur et cette longueur vaut 1. Bon. Mais on connaît aussi un angle ici qui vaut 60 degrés. Alors je vous rappelle une propriété. Quand on a un triangle isocèle, les angles ici sont égales. D'accord? Donc du coup, bah, ainsi, ça c'était une propriété du cours précédent, j'obtiens que l'angle, alors je vais simplifier mes écritures, l'angle en O plus l'angle en M plus l'angle en A est égal à 180 degrés, ça c'est une autre propriété du triangle. Okay, on sait d'une part que la somme des angles fait 180 degrés, et de plus, par le fait que c'est isocèle, on va obtenir que l'angle en M est égal à l'angle en A. Ok? Du coup, en rassemblant ce que je viens de dire, l'angle en O, on sait qu'il vaut déjà 60, donc on a 60 plus 2 fois l'angle en A, disons, est égal à 180. On résout, donc le 60 je le mets de côté, j'ai donc 2A qui est égal à 120, puisque 180 moins 60. Et puis, je divise par 2, donc j'obtiens 60 degrés. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon triangle, tous les angles valent 60 degrés. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ça devrait. Parce que du coup, ça veut dire que ce triangle est un triangle équilatéral. Donc, OMA est équilatéral. Ok? Donc voilà, c'est pas n'importe quel triangle qu'on est en train de regarder, c'est un triangle équilatéral. Maintenant qu'on sait qu'il est équilatéral, bah, on va pouvoir dire des choses. Dire des choses sur OH et dire des choses sur MH. Et en fait, trouver OH et MH, c'est trouver justement cosinus et sinus de notre angle. Donc, maintenant qu'on sait qu'il est équilatéral, on sait également que MH est une hauteur, par définition, de notre paire qui est orthonormée. D'accord? Donc, MH est une hauteur du triangle. OMA. Mais comme le triangle est équilatéral, en fait, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de 4 types de triangles, 4 plutôt, pas 3, 4. 4 types de triangles, 4 types de 3, pardon, les hauteurs, les bisectrices, les médianes, les médiatrices. Bon, bah, quand on a affaire à un triangle équilatéral, ou même un triangle isocèle en fait, s'il était isocèle en M, eh bien, ça veut dire que la hauteur, c'est la même chose que la bisectrice, qui est la même chose que la médiane, qui est la même chose que la médiatrice. Donc là, ce que je veux dire en particulier, c'est que MH est aussi une médiatrice. Donc, MH est aussi la médiatrice du triangle, enfin du triangle, oui, mais du segment surtout, parce que c'est ce qui m'intéresse. Donc du segment, ouais, du segment, j'ai rien à effacer, donc du segment OA. Ok, mais c'est bien plus que ça, hein. C'est aussi la médiane, c'est aussi la bisectrice, d'accord? Donc bon, c'est beaucoup de choses, MH. Et donc ce passage-là est dû au fait que nous avons un triangle équilatéral. D'accord? Bon, j'insiste. Ça, c'est pas vrai pour n'importe quel triangle. Hein. Donc, on a une médiatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup que H est le milieu de OA. Donc, comme H appartient au segment, là, pourquoi je mets point virgule?
Donc comme H appartient au segment, on a que H est le milieu de OA. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la longueur OH est égale à la longueur de OA divisé par 2. Et la longueur de OA, on a dit que c'était 1. Donc ça fait bien 1 demi. Parce que OH, je rappelle que c'est le cosinus de 60 degrés, vu qu'il s'agit de la lecture de l'abscisse de notre point. Donc tout va bien. On a ça. Maintenant qu'on sait que OH vaut 1 demi, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Pythagore pour déterminer la longueur de MH. Donc j'efface. Donc, je vais utiliser Pythagore pour avoir la longueur de MH. Donc, si je réduis mon schéma à OHM comme ceci, donc j'ai 60 ici, je sais que j'ai 1/2, j'ai 1, et je cherche la longueur MH. Donc j'applique Pythagore, hein, puisque c'est un triangle rectangle, en H. Et qu'est-ce que me dit Pythagore? Bah, il me dit que OM au carré, c'est égal à OH au carré plus HM au carré. Moi, ce que je cherche, c'est HM au carré. Donc HM au carré, c'est égal à OM au carré, et le OH carré, je le mets de l'autre côté de l'égalité, pardon, donc du coup, je vais obtenir un moins. Moins OH carré. Je remplace par les valeurs, OM carré, bah, c'est 1, hein, donc 1 au carré, moins OH, c'est 1 demi. Donc 1 au carré, ça fait 1, et 1 demi au carré, ça fait 1 demi fois 1 demi, donc 1 quart. Attention, c'est pas 2 fois 1/2. Hein. 1/2 fois 1/2, donc 1 quart. Du coup, je me retrouve avec 3 quarts. Et donc HM, ça permet de faire un rappel sur l'utilisation de Pythagore. Hein. Donc HM vaut racine carrée de tout ça, et donc ce qui pourrait s'écrire racine de 3, je vais enlever le carré. Racine de 3 sur 2, puisque racine carrée de 4, ça fait 2. Et donc ça, c'est bien le sinus de 60 degrés, puisqu'il s'agit de la lecture de l'ordonnée. Et voilà pour la vérification que le cosinus et le sinus de 60 sont bien les valeurs que je vous avais données dans le tableau. Ok, donc je pense qu'on a fait bien le tour là de la trigonométrie, qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire en tout cas là-dessus. On va enfin pouvoir parler de choses entre guillemets plus sérieuse, c'est-à-dire on va pouvoir parler de produits scalaires. Donc on arrive à notre deuxième partie. Enfin, après plus de 3 heures de cours sur la première partie, sur les rappels de géométrie, alors il y a des choses qui peuvent paraître être des rappels, d'autres un peu moins, mais c'est pas très grave. Le but c'est encore une fois que j'évite de perdre des gens, donc je prends le temps qu'il faut. Bon, maintenant, je pense que vous avez senti que je cherche à accélérer un peu le rythme. Donc, j'accélère le rythme. Afin de pouvoir parler de toutes les choses dont je veux vous parler. Produit scalaire. Et il restera une troisième partie sur les distances. Okay. Donc, produit scalaire. Qu'est-ce que le produit scalaire? Donc, comme je vous l'avais un petit peu introduit la dernière fois, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai expliqué, notre but, c'est d'essayer de savoir à quelles conditions est-ce que deux vecteurs, le vecteur U, que j'ai dessiné en rouge, et le vecteur V, que je dessine en bleu, à quelles conditions est-ce que ces deux vecteurs sont dits perpendiculaires? Donc, c'est la question qu'on se pose. C'est comment caractériser la perpendicularité, je vais pas mettre orthogonale tout de suite, la perpendicularité
de deux vecteurs. Entre deux vecteurs, du moins. Entre deux vecteurs. Ok? Bon. Donc c'est notre question. Bon, voilà. Et donc cette perpendicularité, on appellera ça plutôt une orthogonalité. Ok? Donc, je vais définir ce qu'on appelle l'orthogonalité. Donc définition. Définition qui sera valable. Alors d'ailleurs, au passage, les définitions que je donne, sauf mention du contraire, sont valables dans n'importe quel espace, que ce soit le plan R3, RN, d'accord. Si je précise pas, toutes les définitions que je donne, toutes les choses que je vais donner, sont valables dans RN. Si pas de précision, je vais peut-être écrire ça. Si pas de précision, les définitions des propriétés qui vont suivre sont valables dans n'importe quel espace. De vecteurs. Ok, donc, sauf précision du contraire. Bon, j'allais donner une définition, donc définition. Deux vecteurs sont dits orthogonaux, donc soit U et V deux vecteurs, U, V deux vecteurs. Ok, U et V seront dits orthogonaux si et seulement si, donc si et seulement si, en prenant des représentants pour A, B, C tels que AB représente le vecteur U et AC représente le vecteur V, nous avons l'angle UV, enfin l'angle, enfin nous avons les droites, je vais faire ça tout simplement, nous avons que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Nous avons AB perpendiculaire AC. Ok, perpendiculaire, la notation c'est ça. Bon. Donc voilà, alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est voyez là nos vecteurs ici. Si je donne des représentants, donc je prends un point A, je représente le vecteur U à peu près par le vecteur AB et le vecteur V par le vecteur AC. Maintenant si je regarde les droites, les droites sont perpendiculaires. Ok ? Et cette définition est valable dans n'importe quel espace. D'accord ? Ces deux vecteurs sont orthogonaux si, en donnant des représentants particuliers qui ont la même origine, par exemple, mais c'est pas forcément, on n'est pas obligé de dire juste la même origine, on peut faire autrement. Donc si on prend deux vecteurs qui ont la même origine et qu'on regarde les droites correspondantes, alors, ces droites sont perpendiculaires. Donc, perpendiculaires, sécantes, et en plus de ça, donnent un angle droit. Ok ? Bon. Alors, oui, donc du coup, j'ai l'orthogonalité, très bien, je vais définir ce que c'était. Alors maintenant, je vais vous introduire ce qu'est le produit scalaire. L'idée, comme je vous ai dit, c'est d'essayer de caractériser cette orthogonalité. Maintenant, je peux dire orthogonalité. Okay, puisque on parle de vecteurs orthogonaux et pas de vecteurs perpendiculaires. Donc,
Pour caractériser cette orthogonalité, l'idée a été la suivante. Et c'était la chose suivante. Je concatène mes deux vecteurs. Donc j'ai mon vecteur V. Et puis j'ai mon vecteur U. En concaténant les deux vecteurs, le vecteur que j'obtiens, que je vais représenter en vert, même si je sais que ce n'est pas forcément très visible, c'est la somme des deux vecteurs. Ok ? Et du coup, si vous regardez bien, le triangle que je viens de représenter devrait, s'il y a orthogonalité, devrait nous donner un triangle rectangle. Si ça nous donne un triangle rectangle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la norme de u plus v au carré, donc c'est la longueur du vecteur vert mis au carré, devrait être égale à la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Ok, donc on a orthogonalité, si et seulement si on a cette égalité de vecteur. Et bon bah en poussant un petit peu plus loin ce que je viens d'écrire, hop, je peux amener à l'égalité suivante, norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré est égal à 0. Ah bon, c'est la même chose que l'égalité du dessus, juste que j'ai mis toutes les normes du même côté, tout mon calcul je l'ai mis du même côté. Donc du coup, bon bah, on a introduit le produit scalaire dans le but de faire apparaître cette opération. Et c'est ainsi que je vais vous définir le produit scalaire. Donc soit U et V deux vecteurs. Alors, le produit scalaire de U et de V qui sera noté U avec un point V, U scalaire V, ça se lira comme ça, U scalaire V, ok, est donné par la formule, donc le point scalaire est donné par deux points, et je vais vous l'écrire au-dessus, histoire d'avoir un peu de place. Donc, est donné par U scalaire V est égal à 1/2. Donc, il y a juste un 1/2 que je vais expliquer pourquoi il est là. Enfin, je vais expliquer pourquoi il est là. Donc, et après, c'est exactement la même formule que ce que je viens d'écrire en dessous. Moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Voilà une formule qui marche bien, d'accord, et qui nous permet donc de définir, de savoir en fait si deux vecteurs sont orthogonales. Donc là pour l'instant cette formule, bon, elle est basée sur les longueurs de nos vecteurs. C'est vrai que pour l'instant, bon, ça ne nous avance peut-être pas forcément à grand chose. Mais c'est déjà un premier pas. Ok, c'est déjà un premier pas. Bon, donc du coup, une propriété qui en découle automatiquement, c'est que si le produit scalaire, le produit scalaire vaut 0, si et seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc ça c'est une propriété qui coule tout de suite. C'est une conséquence directe par rapport à ce que j'ai dit, à ce que j'ai défini. Donc, on va appeler ça un corollaire. Encore une fois, j'ai toujours un doute si c'est deux L ou un L, mais bon. Bref, donc on a un corollaire, le corollaire qui dit que U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est égal à... c'est pas un vecteur, oups là, est égal à 0. Alors, j'ai écrit une très très grosse bêtise et je vais tout de suite vous faire attention, comme ça vous éviterez aussi cette erreur.
U scalaire V est un nombre réel. Pas un vecteur. Donc il est hors de question que vous me fassiez l'erreur que je viens de faire là, en me mettant une flèche au-dessus de 0. Le produit scalaire, c'est un nombre réel. Donc il est hors de question de me placer un vecteur sur le 0. Ok? Bon. Ok, alors... là, la question qui va se poser, c'est comment calculer ce truc-là, quoi. Parce que, comme je vous l'ai dit, bon, ça nous amène à des normes de vecteurs, mais comment on calcule une norme de vecteur? C'est quoi la norme d'un vecteur? Comment je calcule vraiment sa longueur, en fait? Bon, je vais vous faire un petit dessin à partir de ce quadrillage, et je pense que je ferai pause sur cette première vidéo à partir de ce dessin. Donc, je vous rappelle qu'on va travailler dans un repère orthonormé. Ok? Donc, dans un repère orthonormé, et là, je vais notamment parler déjà du cadre du plan. Donc, je représente mon repère. Ça, c'est mon vecteur J que je viens de représenter en rouge, en vert. Et puis, mon vecteur I qui correspond à un déplacement horizontal que je représente en rouge sur mon dessin. Je ne sais pas si c'est très visible, mais voilà. Donc, j'ai mon vecteur J, mon vecteur I dans mon quadrillage. Je vais tracer un vecteur dans mon quadrillage. Donc un vecteur dans mon quadrillage, ce serait par exemple celui-là. Voilà, un beau vecteur noir qui se voit super bien. Donc voilà, ça sera mon vecteur U. Ok, si je regarde mon vecteur U par rapport à cette base, je pense que c'est assez clair d'avoir ses coordonnées. J'espère que c'est assez clair aussi comment on va avoir ses coordonnées. On peut la voir en regardant combien de fois on avance dans les carreaux de gauche à droite, puis combien de fois on monte de bas en haut ou de haut en bas si le vecteur était avec des coordonnées négatives. Ok, donc par rapport à mon dessin, mon vecteur U a pour coordonnées donc 1, 2, 3, 4, 5 et 3. Ok. Comme nous avons affaire à un repère orthonormé, vous devez noter que notre triangle ici, défini par tous les vecteurs qui sont dessinés, est un triangle rectangle. D'accord? C'est un triangle rectangle. Comme c'est un triangle rectangle, on peut appliquer Pythagore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de U au carré, c'est la norme de ce qui est en rouge. La norme de ce qu'il y a en rouge, c'est la norme de 5 fois i au carré plus la norme de 3 fois j au carré. Ok? Et la norme de 5 fois i au carré, comme on l'a vu, la norme se comporte bien quand on multiplie par un nombre, notamment ici un nombre positif, ce nombre va sortir. S'il y avait un moins, le moins disparaît. Donc là, je vais me retrouver avec 5 au carré fois la norme de i au carré plus 3 au carré fois la norme de j au carré. Sauf que la norme de i et la norme de j, je sais combien elles valent. Puisque nous travaillons dans un repère orthonormé, je sais que lui il va valoir 1 et puis l'autre va valoir 1. Donc j'en déduis que ma norme ici, c'est 5 au carré plus 3 au carré. Ah ! Avoir la norme d'un vecteur, en fait, c'est pas si difficile. C'est juste faire la somme des coordonnées de mon vecteur, chacun au carré, et puis, je mets une racine carrée. Alors, attention, cette propriété n'est valable que si je travaille dans un repère orthonormé. Puisque, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le fait que c'était orthogonal, puisque j'ai dit que je travaillais dans un triangle rectangle, mais j'ai aussi utilisé le fait que c'était normé, puisque j'ai dit que la norme de i vaut 1. Donc c'est très important de travailler dans une base orthonormée ici. Ok? Donc je vais effacer un peu ce que j'ai sur mon tableau et puis m'arrêter je pense sur cette propriété. La première partie de cette vidéo sur cette propriété.
Donc soit R un repère orthonormé, donc soit R égale O E1 jusqu'à EN un repère ortho, enfin je vais dire c'est le repère parce qu'en général on utilise celui-là, donc le repère orthonormé direct usuel. Ok, donc la propriété que je viens d'énoncer, c'est si j'ai, si U a pour coordonnées x1, x2 jusqu'à xn dans mon repère, donc ici nous avions juste deux coordonnées, mais on peut travailler dans l'espace, donc dans n'importe quel espace, donc l'espace Rn ici, donc usuel de Rn d'ailleurs, je vais préciser. Ok ? Donc si le vecteur U s'écrit comme ça en termes de coordonnées dans mon repère, alors la norme de U c'est donc égal à la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré plus tatata plus xn au carré. Ok ? Donc déjà c'est plutôt sympa comme truc. Finalement, on peut calculer la longueur d'un vecteur à l'aide de ses coordonnées, ce qui est plutôt... voilà. Alors, au passage, ça nous permet aussi de donner la distance entre deux points. Puisque je vous rappelle, petite conséquence, si j'ai A de coordonnées X, bon, je vais mettre X1, X2, jusqu'à Xn dans mon repère, et si j'ai B de coordonnées Y1, Y2 jusqu'à Yn aussi dans mon repère, orthonormé, alors la longueur AB, ça va être la racine carrée de X1 moins Y1 au carré plus X2 moins Y2 au carré plus tatata plus Xn moins Yn au carré. Ok, alors pourquoi ça, c'est une conséquence de ça? Bah, quand vous écrivez le vecteur AB, vous faites arrivée moins départ. Donc vous faites y1 moins x1, y2 moins x2, etc., etc. Et vous devez tous les mettre au carré. Donc vous allez avoir y1 moins x1 au carré, plus y2 moins x2 au carré, plus yn moins xn le tout au carré. Okay. Le fait de mettre au carré fait que votre différence, vous pouvez la mettre dans l'autre sens. Donc peu importe dans quel sens vous mettez votre différence, ça marche très bien. Et puis ensuite, il faut mettre une grosse racine carrée sur tout le monde. Donc voilà comment on peut avoir une conséquence de comment ceci implique cela. Bon voilà, je vais arrêter ici la première partie de vidéo, je pense. Ça sera déjà pas mal. Je laisse là ce que j'ai fait au tableau, comme ça vous voyez que je ne vous ai pas perdu. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de vidéo. Salut !